Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sparadra le Noobman. J'espère que vous allez bien, parce que moi, eh bien, ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Boom Beach. Et qu'est-ce qu'on va faire sur Boom Beach? Eh bien, c'est simple. Je vais vous montrer une attaque au guerrier, car on a le QG de niveau 8. Merci, donc voilà, j'ai passé mon QG 8. Eh bien... Et il y a vraiment pas longtemps, quoi. Et donc, du coup, eh bien, j'ai les guerriers. Et on est tous prêts pour un full guerrier. Vous êtes prêts? Alors, on va chercher une battle. Hein. Je découvre un petit peu le village, on va dire. Enfin, la map. Je n'ai pas cherché plus que ça, un village. Donc, du coup, on va peut-être chercher un petit village. Pas forcément simple, hein, parce que on peut faire des gros carnages avec les guerriers. Mais quand même, pas super dur, hein. Il faut pas qu'il y ait trop de canons, ni de tours de sniper. Oh, ben il a l'air pas super dur. Je pense qu'il peut être assez sympa. Allez, on va essayer. Je pense qu'il y a besoin que de 2. Ah non, il en faut 3, ok. Bon, on en a besoin de 3. Là, on va envoyer tous nos guerriers en ligne. Et on va aller bloquer... Les tours de sniper, juste là. Oula, ils prennent cher, ils prennent cher. On va guérir un peu. Oula, ah oui, non, mais là, ils prennent super cher. Les pauvres. Allez, hop, tapez, sinon vous allez encore vous faire tuer. C'est vraiment, ils sont super forts, hein, vous voyez, dès qu'ils tapent, ils regagnent leur petite life. Et hop, et voilà. Hop là. Oh, et j'ai fait une bêtise parce que là, j'ai dépensé un truc. Et j'aurais peut-être pas dû. Ce qui serait bien, c'est qu'il se redirige vers cette tour de sniper. Qu'il m'embête pas. Ok, donc en fait, il y en avait un qui était un peu parti, entre guillemets, on va dire. Donc là, bon, c'est bon, il reste plus que le mortier. C'est censé passer. Donc vous voyez, les guerriers sont vraiment très très puissants, hein, et... Ils reculent devant rien, ils ont peur de rien. Dès qu'ils tapent, c'est fini. On a gagné, quoi. Oh là là, non mais... Oh mais... En fait, ils cherchent la baston. Enfin, ouais, ils nous embêtent. Bon. Il va falloir qu'ils tapent le QG. Donc, pendant qu'ils tapent le QG, je vais faire un truc. Donc, je vais vous dire pourquoi l'épisode 4 de Go pour le Roi ne sort pas. C'est simple, c'est que pour le mettre niveau 4, il faut 17 500... Et les 17 500, eh bien, je les ai pas et j'ai un petit peu abandonné le G-Oui-Oui, puisque je suis en farm et je dis pas que c'est pas bien pour le farm, mais pour farmer, il vaut mieux du barbare archer. Donc là, je suis vraiment en train de faire du barbare. Oh purée, j'avais jamais vu qu'il pouvait pleuvoir dans mon village. Oui, donc ce que je disais, c'est que voilà, je farm. Donc du coup, eh ben, pour farmer, c'est pas super, enfin c'est bien. Mais c'est pas le meilleur, parce que, ben voilà, ça coûte quand même du fric, hein, le G-Oui-Oui. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça sortira pas. Donc peut-être qu'il sortira, j'en suis franchement pas sûre de le faire. Je pense que la série va s'arrêter là. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une idée d'autre série. Oh, c'est classe, on peut mettre les trucs sur la plage. Purée, je suis en train d'apprendre plein de trucs, là, mon gars. Hop là, on y met ça là. Ah ouais, non, en fait, dès qu'on clique... Bon, bref. Oui, donc, j'ai une idée pour une nouvelle série. Voilà, donc, ça peut être classe, une nouvelle série, là. J'ai une petite idée, ça peut être franchement cool. Donc, ce qu'on va faire, ce que je fais, c'est que la série... j'essaye de la mettre, enfin, la mettre au point. Voir si ça marche. Donc si vous aimez ce style de série que je vais faire, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, hein, parce que franchement ça m'encourage, ça me dit que... Enfin ça montre que vous avez envie que je continue de faire cette série, et donc du coup bah, je la continue. Donc Go pour le Roi, j'avais vraiment envie de la continuer cette série parce qu'elle me plaisait, mais ben voilà, franchement c'est dur et... Bon, si mon roi passe niveau 4, vous le verrez bien, hein, mais je vais pas pouvoir vous le montrer tout de suite, quoi, et donc voilà. Donc c'est un peu bête, hein. Franchement, elle était bien, cette série. Mais bon,
Voilà, donc la série ne continuera pas. Voilà. Je suis désolée pour ceux qui aimaient bien, hein, moi aussi, franchement, j'ai pris du plaisir à faire ça, parce que franchement, j'ai adoré. C'était franchement amusant, quoi. C'était ma première série, voilà. Tu te dis, bon, ça va pas être terrible, quoi. Mais franchement, j'ai pris du plaisir, hein, et donc voilà. Donc là, je suis en train de retaper un peu mon village. Donc je sais pas pourquoi, j'ai envie. Je me suis dit, vas-y, fais un nouveau village, parce que. Enfin, un nouveau village, c'est pareil. Il y ressemble beaucoup, hein, mais. Oui, il me saoulait un peu ce village parce qu'il est pas super super, donc du coup voilà. Bon, je pense que la vidéo va s'arrêter là. On est déjà à 5 minutes 30. Hein. Bon, bah voilà, je pensais vous montrer 2-3 attaques de plus, mais bon, j'ai perdu vraiment beaucoup de guerriers. Donc du coup, ben voilà, je vais pas pouvoir vous faire d'autres attaques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager ou à laisser un commentaire, bien entendu constructif. Et eh bien, ou alors à vous abonner. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein, cette technique au guerrier. Donc moi j'adore, je kiffe cette technique. Parce que franchement, bah, elle est super bien. Les guerriers, ils gagnent beaucoup de vie. Donc en fait, le meilleur truc à faire avec les guerriers, c'est détruire les tours de sniper et les canons, les super canons aussi, en premier. Ensuite, vous frisez et vous guérissez. Et voilà, et ça passe tout seul normalement. Bon, et eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Au revoir.